Aujourd'hui, nous sommes à Dapan pour installer Sinato Dapan. Parce que les artistes de Dapan, leurs problèmes sont notre problème et que c'est très important qu'on vienne aussi les écouter et voir quelles sont les solutions proches de leurs problèmes. Les difficultés que les artistes de Dapan vont traverser et traverseront, c'est ce bureau-là qui serait un relais et entre le bureau national. Donc si on n'a pas un bureau à Dapan, comment on pourra connaître les difficultés que les artistes de Dapan traversent? Oui, premièrement, Sinato est né pour sensibiliser les artistes sur les fonds, former les artistes pour qu'ils puissent devenir des professionnels dans l'art et devenir des stars et vivre de leur art. Parce que quand on est artiste et on est amateur, on ne peut jamais vivre de son art. Et deuxièmement, nous avons découvert que sur le terrain, les artistes togolais ne vont pas à l'information. Il y a des fonds pour eux. Les fonds, je cite toujours les fonds de garantie de la BDC, les fonds de la francophonie, les fonds de l'Union européenne, le fonds d'aide même à la culture. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là, qui ne savent pas que vraiment les efforts ont été menés pour qu'ils puissent avoir beaucoup de choses, beaucoup de fonds et évoluer. Donc c'est ça qui fait que nous sommes obligés de venir vers eux, les sensibiliser, les montrer qu'il y a des voies et moyens pour qu'ils puissent prospérer dans l'art. Merci beaucoup.